Ce qui est en train de se passer en Afrique là présentement est tellement grave. Et si on ne remédie pas à cette situation, à ce problème-là maintenant, on va encore aller dans des années et des années de pauvreté. On s'est souvent posé la question de savoir pourquoi certaines personnes, à un moment donné, décident de quitter l'Afrique. Pourquoi certains investisseurs sur le continent, à un moment donné, décident de quitter le continent. C'est une triste réalité, c'est vrai, parce que quand on est en train d'observer ce qui est en train de se passer à des géants comme Aliko Dangote actuellement, on doit remettre encore ces sujets sur la table. Et je vais commencer par cette citation. J'oublie un peu le nom de l'auteur. Il disait, on a l'impression que nos dirigeants sont en mission du continent, sont en mission contre leurs propres frères dans leur propre pays. Et donc aujourd'hui, on n'a plus peur du colon. Le colon est même encore passable. Il est même encore mieux que nos propres dirigeants. Parce que la façon dont on dirige le pays, la façon dont on est en train de faire dans notre pays, on s'est dit, mais est-ce qu'on a le sentiment que c'est notre pays? Est-ce qu'on a le sentiment que ce qu'on est en train de faire à nos propres frères, c'est réellement quelque chose dont on aurait toléré si c'était le colon? Quand c'est le colon, ça ne fait pas trop problème. On dit, ok, c'est le colon, c'est encore un peu compréhensible. Mais quand c'est nos propres frères, on ne voit pas à quel point c'est extrêmement grave. Aliko Dangote, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des personnes les plus riches, c'est l'homme noir le plus riche. Quand on voit le classement Forbes, il est au top des Africains les plus riches. Et donc, c'est plus quelqu'un dont on va encore démontrer. Et il a toujours prôné la production. Il a toujours prôné le fait d'être un producteur. Quand tu es un producteur, tu es autonome. Quand tu es un consommateur, tu dépends du producteur. OK? Et donc, il a voulu à un moment donné se lancer dans la production du pétrole. Le pétrole, pour ceux qui ne connaissent pas comment c'est fait, généralement, nos raffineries du côté de l'Afrique ne permettent pas de raffiner notre propre pétrole. On a eu le cas, par exemple, de la Sonara du côté du Cameroun, où les infrastructures de la Sonara ne permettent pas de raffiner le pétrole qui vient du sol camerounais. Ce qui fait donc que le pétrole camerounais est extrait et il est vendu à l'état brut et un autre type de brut qu'on appelle un brut moins lourd est acheté à l'international pour être raffiné maintenant du côté du Cameroun. Et donc, vous imaginez qu'il y a une grosse mafia qui peut se passer derrière. Parce que si tu es un membre du gouvernement, très souvent, on ne sait même pas comment ces processus d'achat de pétrole international se font. C'est parfois par appel d'offres, mais il y a tellement, c'est tellement complexe. Et je vous invite de regarder la vidéo de Cabral Libby là-dessus, bien évidemment. C'est là où vous comprenez qu'il y a une volonté pour ces personnes de faire en sorte que la situation continue de rester telle qu'elle est. Parce que ça profite à une petite poignée de personnes qui sont là derrière, tapis dans l'ombre, et qu'ils tissent les ficelles pour que les prix qu'il y a à l'international, ou bien le fait que le pétrole qu'on prend à l'international favorise une minorité de personnes qui continuent de se sucrer le doigt lié au fait qu'on ne peut pas raffiner notre pétrole sur place. Imaginez-vous donc une personne qui décide de dire, OK, comme on ne peut pas raffiner le pétrole qui vient du Nigeria, le Nigeria aussi est dans la même situation, on va donc créer une raffinerie sur place qui va permettre de raffiner notre propre pétrole et nous éviter comme ça d'acheter le pétrole à l'international. Vous imaginez que ce projet, c'est fort intéressant. C'est fort intéressant parce que il n'y aura plus une vente et une achat et une perte de devises parce qu'on est obligé d'avoir des devises pour acheter à l'international. Et donc, on ne sera plus dépendant de cette devise-là qui fluctue sur le cours du marché parce qu'il suffit de savoir quand ton pays veut acheter. Si tu as de gros liquidités, tu peux manipuler ce genre de choses. Et c'est comme ça que tu peux te faire beaucoup d'argent. Ça, c'est le type de choses qui ont rendu certaines personnes vraiment, vraiment riches parce que 0,01 francs sur un baril, sur un litre de pétrole, vous imaginez le baril. Combien de quantités de barils il faut acheter, ce sont des sommes qui sont tellement, tellement astronomiques. Et donc, certaines personnes vont aller jusqu'à faire des partenariats, investir dans ces entreprises à l'international qui vont raffiner notre pétrole à l'international. Certains vont même aller jusqu'à construire des entreprises à l'international pour raffiner notre pétrole et revenir nous vendre à nous-mêmes. Vous voyez comment la nappe peut être aussi grande en fait. Et comment si une entreprise décide de raffiner sur place, ça peut poser un gros problème à ceux qui se font justement cet argent de ce côté-là.
Donc, quand Aliko Dangote a émis ce projet, il a été accepté, il a été validé, il a levé des fonds, il a commencé à développer. Il n'a même pas levé des fonds. C'est vrai qu'il a pris des fonds dans certaines banques. Il a commencé à développer le truc. Il a eu des difficultés sur le terrain, et ainsi de suite. Mais il est passé par tellement de difficultés. Mais là n'est pas le problème. Maintenant, quand il arrive à la fin, on lui sort des discours comme quoi son pétrole n'est pas de bonne qualité par rapport au pétrole qu'il y a sur le terrain. Et c'est là où il met au défi, il challenge les autorités de venir en réalité lui prouver le contraire. Lui prouver le contraire parce que même sur place, ces personnes n'ont même pas la capacité d'évaluer le pétrole qui est produit en fait. Le pétrole qui est là, qui circule, qui vient de l'international, on dit simplement que c'est de bonne qualité parce que ça vient de l'international. Regardez la connerie. Regardez la connerie, la duperie. Donc, quelque chose est bon parce que ça vient de l'international. Mais vous ne comprenez pas que ces personnes du côté de l'international, ils sont prêts à, ils veulent simplement se faire de l'argent. C'est un peu comme la Chine, en fait. La Chine veut se faire de l'argent. Tu ne peux pas acheter un produit à n'importe quel prix en Chine. Le vendeur ne te vend pas. Quand on dit parfois que les produits de Chine sont de mauvaise qualité, non, c'est votre argent que vous voulez acheter des choses de mauvaise qualité. Et alors le vendeur vous vend des choses de mauvaise qualité. Ils sont là pour se faire de l'argent. Si tu veux ce qui n'est pas bon, ils te vendent ce qui n'est pas bon. Ils veulent que l'argent entre en fait. Ok? C'est un peu comme toi, tu es un vendeur, tu te rends compte que ce que tu vends, c'est trop haut de gamme et très peu de personnes peuvent acheter. Qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la qualité et plusieurs personnes achètent en fait. Si quelqu'un veut la mangue de 50 francs et que tes mangues sont à 200, va même qu'il y ait les mangues non mûres, tu viens lui vendre en fait. Il va acheter. Et c'est ça le problème en fait. Donc le problème c'est que sur le continent, on pense que ce qui vient de l'international est forcément bon. Et c'est Aliko Dangote de venir alors challenger le gouvernement. Il dit, je vous mets au challenge, allez même directement dans la raffinerie, prenez le pétrole qu'on a immédiatement raffiné et vous essayez de faire des études là-dessus. Et il montre les documents, voici par exemple quelque chose que j'ai fait avec nos expertises sur place. On peut attester et affirmer que le pétrole qu'on produit dans nos raffineries, c'est de bien meilleure qualité par rapport à ce qui vient de l'international. Et là, ça me rappelle une autre triste histoire, qui est le fait que les entreprises sur place n'ont pas parfois le support de nos pays pour pouvoir émerger. Et vous imaginez un pays qui est en train de vouloir sortir de cette dépendance internationale et qui n'encourage pas les entreprises locales. Avant, on produisait les chaussures Bata, les chaussures en caoutchouc, plastique qu'on porte partout là. On produisait cela au Cameroun. Et ces entreprises ont été contraintes de quitter le continent, en fait, de quitter le pays. Et même là, actuellement, c'est en train de se passer. J'ai des amis qui sont dans des secteurs où la douane est en train de vouloir les finir seulement, en fait. Et ils sont en train d'explorer les possibilités d'aller dans d'autres pays. Comment est-ce qu'on va donc encourager les personnes de produire localement? Comment on va encourager les personnes de consommer localement si la production locale est tellement chère? Comment est-ce que les prix des produits locaux seront compétitifs par rapport aux produits qui ne sont même pas de bonne qualité et qui arrivent de l'international? Comment? Comment on peut être assez négligent à ce niveau? Moi, je ne vois même pas ça de la négligence, mais je vois en ça simplement de la malhonnêteté. Et je vais terminer par cette histoire. Cette histoire d'un monsieur, parce que parfois, ça va tellement loin, en fait. C'est tellement profond ce qui est en train de se passer. Et on se demande où est-ce qu'on est en train de partir. On n'encourage même pas les talents locaux. Quelqu'un va se sentir valorisé s'il a une approbation d'un pays à l'international. Parce que son pays ne peut pas le valoriser. C'est quand il va aller à l'international qu'il va se sentir valorisé. Et comment est-ce que ces talents ne vont pas fuir? Comment est-ce que ces personnes ne vont pas quitter le pays dans l'optique de rechercher cette valorisation-là? Quand on voit les personnes dont on fait la promotion dans nos médias, les TikTokers, les gens qui... tu ne comprends même pas quel est l'objectif national. Quelle est la volonté du gouvernement? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir promouvoir en fait? On est en train d'accuser l'échec, on est en train de critiquer les résultats du bac et des examens officiels, mais qu'est-ce qu'on a donné comme modèle à nos enfants?
Qu'est-ce qu'on a donné comme modèle à la génération future? Quel est l'objectif que la génération présente a pour le futur? Un pays qui n'a pas de vision partagée est un pays qui est sans direction même pour sa propre jeunesse. Je vais répéter. Un pays qui n'a pas de direction pour le futur est un pays sans direction pour la génération actuelle. Et donc, quand c'est comme ça, tu ne sais pas quels sont les objectifs globaux à atteindre. Tu sais que tu vas contribuer à ton pays en faisant quoi? Tu sais que tu vas te spécialiser dans quoi pour aider ton pays, pour résoudre un problème que ton pays a comme vision et qui va t'accompagner à résoudre, à vraiment arriver à cet objectif-là. Et donc, voilà une histoire encore qui m'a tellement troublé l'autre jour, dont je parlais avec un ami ici, et il me dit, il y a une personne dans leur église qui a fait un témoignage. Et le témoignage, je vais le résumer, ok? C'est une personne qui était pasteur, donc c'est un pasteur, il ne voulait pas faire les mathématiques. Et donc, il ne voulait pas faire les mathématiques, il a donc décidé d'être pasteur. Et donc, en étant pasteur, après quelques années, quand il a fini, il a travaillé environ 2 ans, 3 ans, et ses frères ont commencé à l'encourager à devenir médecin. Et donc, comme on l'encourage à devenir médecin, il dit, OK, je vais le faire, pas forcément pour moi, parce que je sais que ça sera difficile, mais je vais le faire pour mes frères. Il va donc s'inscrire dans une école de préparation, d'abord des sciences, pour avoir les compétences mathématiques avant de passer le concours pour entrer en faculté de médecine. Il finit donc, il passe le concours, je ne vais pas aller dans tous les détails. Et donc, après, il a beaucoup eu de difficultés à trouver une faculté de médecine dans laquelle il pourrait entrer. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais il a fini par un jour tomber dans une université où il a été accepté sans même une lettre d'admission, donc sans même avoir passé le concours. Il a été accepté. Et quand il a été accepté, il a fait tout ce qu'il pouvait pour finir sa formation. Quand il finit sa formation, il revient donc dans son pays et il commence à travailler. Quand il commence à travailler, arrivé dans son lieu de travail, il travaille tellement bien, en fait. Et lui, c'est une personne qui a d'abord les valeurs morales. Et donc, dans son travail, les supérieurs vont lui imposer de faire un certain nombre de choses qui sont contraires à ses valeurs morales. Et lui, il va donc refuser. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Chaque fois, il va être en opposition avec ses supérieurs. Ses supérieurs lui demandent de faire des conneries, et lui, il refuse, et il est toujours en opposition avec ses supérieurs. À un moment donné, ses supérieurs sont obligés, parce qu'ils veulent des subalternes, sont obligés de le licencier. Et quand on le licencie, après quelques temps, il est accepté du côté des États-Unis parce que ses compétences sont reconnues. Et donc, il est appelé du côté des États-Unis. Et quand il arrive du côté des États-Unis, il travaille bien, il fait bien ce qu'il a à faire, il est promu, et après, il se voit être affecté comme chef de mission pour les organisations internationales hein, du côté de l'Afrique, dans un pays du côté de l'Afrique, au vu de ses compétences. Et alors, cette petite histoire nous pose la question encore, qu'est-ce qu'on veut dans nos pays? Est-ce qu'on veut la méritocratie ou bien on veut la cancrerie? Est-ce qu'on veut des personnes qui sont cancres mais qui font ce qu'on veut au lieu des personnes qui sont talentueuses et qui font ce dont la nation a besoin? C'est là la grosse question qu'il faut se poser. C'est là toute la différence en fait. Cette personne qui vient faire une raffinerie dans l'optique d'abreuver le pays et de couper cette dépendance à l'international, vous ne trouvez pas un moyen de le soutenir et d'arriver à cette vision d'être indépendant de l'international. Je ne comprends pas en fait pourquoi on veut maintenir cette dépendance à l'international. Et avec ça, on veut se développer. Est-ce qu'on connaît des pays qui sont développés et qui sont dépendants de l'international, qui sont entièrement dépendants de l'international? Je ne connais pas. Vous pouvez me donner des exemples en commentaire des pays qui sont développés et qui sont tellement dépendants de l'international. Je n'en connais pas en fait. Donc pour être un pays développé, on connaît déjà qu'il faut se couper de la dépendance internationale. Et donc quand quelqu'un va dans ce sens-là, on ne l'encourage pas. Les personnes comme Arthur Zan qui fabrique le cardiopathe, il n'a pas le soutien de l'État, il n'a pas le soutien de son gouvernement au point où c'est à l'international qu'il est reconnu. Plein de personnes qui ont quitté le Cameroun et qui étaient tellement brillantes se sont vues parfois récompensées à l'international, à l'échelle internationale parce que sur place, on ne reconnaît pas leurs talents. Et quand c'est comme ça, toi qui es à l'international, tu te poses la question, est-ce que je vais rentrer donc dans ce pays pour faire valoir mes compétences? Est-ce que mes compétences seront les bienvenues dans ce pays? Moi qui fais encore un domaine de la blockchain, qui n'est même pas déjà une priorité pour nos États, qui ne fait même pas partie des agendas
des discussions qu'on a autour, et même dans nos états, dans nos plateaux, dans nos... Il n'y a même pas ça sur la table, en fait, comme les discussions. Et là, tu te poses la question, mais comment je vais m'intégrer dans ce pays? Comment je vais venir convaincre ces personnes-là qui n'ont même pas un agenda, en fait? Parce que quand tu as un agenda, tu essayes de trouver des choses qui vont te permettre de répondre à ces besoins que tu as dans ton agenda. C'est un peu ça ce qu'on appelle programmer. Quand tu programmes quelque chose, tu essaies maintenant de trouver des éléments qui vont te permettre de réaliser ton but, en fait. Parce que tu as un but, tu as un objectif à atteindre, en fait. Et du côté de l'Europe, comme du côté de l'Amérique, ils ont ce qu'on appelle les SSG. Les SSG, ce sont des Sustainable Goal Development. OK? Les SGD, qui sont les Sustainable Goal Development. Donc, qui sont les objectifs de développement durable, en fait. Donc, quand tu fais un projet qui va dans l'optique du développement durable, tu es intéressant. Parce que tu entres dans des objectifs qu'on veut atteindre. Et donc, quand tu vas dans ces objectifs-là, on va te soutenir. Il y a des fonds du côté de l'euro, par exemple, qui permettent de soutenir des projets. Europe Horizon, par exemple. C'est un fonds qui permet d'accompagner les entreprises, d'accompagner des projets, d'accompagner des idées qui ont pour but de développer l'Europe et de positionner l'Europe comme un leader, un pionnier dans un secteur. Et donc, si tu es ici, peu importe même dans quel pays tu es, si tu as une idée qui va faire profiter à l'Europe et aussi avec ses partenaires, ce sont des idées qui peuvent être financées, en fait. Et oui. Donc, quand on est dans cette optique-là, on peut émerger, on peut voir des projets émerger qui vont nous permettre de résoudre les problèmes locaux qu'on a. On a quel fonds de développement du côté du Cameroun qui accompagne les entreprises, qui accompagne les start-up, qui accompagne les idées? On a quelle équipe qui travaille dans la recherche pour accompagner les idées? Quand on voit par exemple les salaires des gens qui font la recherche au pays, on peut se poser la question. Et j'ai regardé encore ça récemment. Quand je suis allé dans la grille salariale des personnes qui font la recherche, j'étais abasourdi en fait. Je me suis dit, quel est l'objectif de ce pays? Quelle est la vision de ce pays? Je vais m'arrêter là, mais je me dis, le problème de l'Afrique, ce sont d'abord les Africains. Le problème de l'Afrique, ce sont d'abord les Africains. Tant qu'on ne change pas les mentalités, tant qu'on ne change pas notre vision, tant qu'on ne change pas notre façon de faire, tant qu'on n'est pas content et fier de voir des personnes réussir, encourager la réussite, on ne va pas réussir. Si tu n'encourages pas la réussite, tu ne peux pas réussir. Tu dois encourager la réussite pour que la réussite te sourise. Si tu es là, la réussite ne te dit rien. Quand les personnes réussissent, tu es plutôt jaloux, tu es plutôt mécontent. Comment tu vas toi-même réussir, en fait? Comment tu vas toi-même réussir? Donc, si on ne change pas cela, dans les années à venir, les prochaines années, les prochaines générations, on sera encore des personnes qui seront esclaves. Et même encore pire, en fait. Il faudrait que, aujourd'hui, on ait des personnes qui soient conscientes de ça et que même les prochains dirigeants ne fassent plus les mêmes erreurs et les mêmes bêtises que les dirigeants actuels sont en train de faire. Parce que la grosse crainte, c'est que quand vous serez au pouvoir, quand les gens qui nous suivent ici seront au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils feront des choses différentes de ce qui est en train d'être fait actuellement? C'est ça la grosse question. Parce que tellement on entre dans un cycle de pauvreté où quelqu'un, il est dans l'optique. Et parfois, quand tu causes avec les jeunes, certains te disent, si je suis là, je vais faire pire même, en fait. Et ça craint. Il faudrait qu'on change les mentalités, parce que la meilleure façon de construire un peuple, c'est de donner à ce peuple des outils qui vont lui permettre d'être autonome, de le permettre d'arriver au niveau qu'il souhaite, en fait. De les encourager, de les pousser dans ce sens, d'avoir des programmes qui les accompagnent, d'avoir des équipes qui les forment, d'avoir des choses, de leur donner des outils dont ils ont besoin pour construire ce qu'ils veulent construire pour l'avenir. C'était Elvis Kondjo, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, like, partage la vidéo, permettre à d'autres personnes de comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Ciao.